Je m'appelle William Lézer, je suis chef d'équipe sur la ligne 4 depuis maintenant bientôt 14 ans. Nous faisons partie du groupe GCF, les Grands Chais de France. Nous sommes ici sur le site de Landiras. Nous sommes spécialisés dans l'embouteillage. Mon travail consiste à encadrer une équipe de personnel, de garantir leur sécurité bien évidemment, de m'assurer de leur formation, de m'occuper de la partie gestion de prod aussi. Nous allons chercher des solutions techniques en partenariat avec le service faisabilité. Ça va être d'une simple étiquette comme on peut voir dans les magasins, ou bien ça va être des étiquettes par exemple en bois, des étiquettes en cuir, des étiquettes en étain. En tant que chef d'équipe, nous sommes garants évidemment de la qualité du produit que nous envoyons. Je suis rentré ici intérimaire. Comme ça se passait bien, j'ai eu un contrat. J'ai évolué de machine en machine jusqu'à formuler le vœu de passer chef d'équipe. Entre le moment où je suis rentré au sein de l'entreprise en tant qu'intérimaire et mon passage réellement en tant que chef d'équipe, il a dû s'écouler 3 ans et demi. Donc c'est une vraie évolution, oui. Nous avons énormément de relations humaines avec tous nos collaborateurs. Il faut aimer le travail d'équipe, évidemment. Il faut aimer les responsabilités. Il faut aimer la partie technique aussi. Il faut aimer la partie formation du personnel, car nous sommes là pour rendre notre personnel autonome. Ce qui est valorisant, c'est quand notre personnel vraiment a confiance en nous. C'était un monde qui était un petit peu abstrait pour moi. Je l'ai vraiment découvert ici, et c'est quelque chose qui m'a plu. Si on n'est pas issu de la viticulture, oui, on va y arriver. Nous avons le cas avec des collègues qui viennent, par exemple, de la métallurgie. D'une manière générale, quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut réussir, réussira. C'est une question de volonté et d'implication dans son travail. La direction va peut-être changer l'orientation du poste de chef d'équipe. On va peut-être avoir des personnes qui vont être plus leader managérial, des personnes qui vont être plus sur le côté technique, accompagnement, formation du personnel. Pour l'instant, le métier évolue constamment. C'est un poste dans lequel je m'épanouis aujourd'hui, qui m'a fait grandir et qui me sert au quotidien. Vous aimez les challenges, les défis? Vous n'aimez pas vous ennuyer? Vous avez le sens des responsabilités? N'attendez pas, rejoignez-nous.